Allez, on continue la matinale avec Christophe Motta. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes le directeur général d'Elixis. Tout à fait. On est ensemble aujourd'hui puisque vous lancez une nouvelle plateforme qui s'appelle Visio. C'est quoi Visio? Visio, comme son nom l'indique, grosso modo, ça va proposer de la visio pour les conseillers en gestion de patrimoine et du partage d'écran dans un environnement qui leur est adapté, une plateforme à 360 degrés. Ok, on a tout compris, c'est clair, mais en même temps, vous dites que ça propose de la visio. On a déjà Zoom, on a Teams. Quel est l'intérêt C'est d'avoir... vrai, on pourrait dire ça, sauf que ce sont des logiciels que vous avez dû installer au préalable. Absolument, Or, nos amis conseillers en gestion de patrimoine, quand ils veulent rencontrer un nouveau client, ils ne vont pas commencer à leur demander d'installer un logiciel. Donc là, la plateforme Visio leur permet d'être directement en relation avec eux. D'accord. Et puis surtout en appel entrant, en visio ou en appel classique. Ok, c'est pas mal. Je crois quand même, je crois avoir vu des solutions où on n'avait pas de logiciel. Ça fait que ça, Visio? Parce que non, c'est non, bien, non. Hein, je ne veux pas Bien dénigrer sûr. le produit, mais ça, moi, ça me fait Non, pas non, rêver. non. Surtout, c'est une plateforme comme les conseillers en connaissent, mais qui centralise toutes les dimensions du patrimoine. C'est-à-dire, je vais pouvoir D'accord. travailler avec mon client Ouais. sur de l'immobilier, sur du placement, de l'assurance, du crédit, sur toutes les Il y dimensions a un du peu de soft patrimoine. quand même derrière, il y a un peu de Et il y a fonctionnalités beaucoup, beaucoup de qui vont fonctionnalités. au-delà de la seule visio. La gestion de la relation client, c'est-à-dire D'accord. relancer mes clients ou mes prospects Donc CRM. Exactement, c'est vraiment le terme consacré. Et puis D'accord. derrière, faire du cross-selling, c'est un mot anglais qui nous plaît bien en ces périodes un petit peu C'est quoi compliquées. cross-selling? C'est si je fais de l'immobilier Ouais. et qu'une fois que j'ai fait faire une Pinel, peut-être que la personne n'a plus trop de capacité d'endettement. Et D'accord. je vais peut-être lui proposer de racheter son crédit, renégocier son assurance de prêt ou faire un placement et pourquoi pas défiscalisant. D'accord. Donc j'ai une espèce de tableau de bord. Exactement. D'accord. Et tout ça sans avoir à préinstaller un Tout logiciel. se passe sur Internet, la personne reçoit un SMS, elle clique dedans, elle est directement en visio avec son conseiller en gestion de patrimoine. D'accord, ok. Ça, c'est pas mal. Je crois qu'une des choses que fait Elixis, donc Visio, c'est nouveau, une des choses que vous faites, c'est aussi de la génération de leads. Alors ça, c'est notre premier métier. Depuis 14 ans, nous générons beaucoup, beaucoup, beaucoup de leads, uniquement dans Ouais. la gestion de patrimoine, immobilier, placement, assurance, crédit. Et nous les produisons vraiment à l'appel, si je peux Ouais. avoir cette expression un peu triviale, bien entendu. Mais nous en produisons beaucoup. Nous avons une dizaine de milliers de comptes ouverts. Et tous les jours, les conseillers viennent chercher du nouveau business Mais dans le alors, vous domaine faites qui leur... comment pour attirer ce business? Parce que vous êtes un intermédiaire entre des particuliers comme moi Oui. et puis des CGP qui, eux, ont besoin de développer leurs Tout à activités. fait. Et comment vous faites pour attirer ce particulier? Qu'est-ce que vous faites que le CGP ne peut pas faire? Eh bien, déjà, nous faisons de la communication de masse, nous passons sur les grands médias, le D'accord. Figaro, le BFM, La etc. preuve Ici, aujourd'hui. par exemple, mais là, on s'adresse plutôt à des professionnels. Là, en l'occurrence, on va choisir les médias qui Du parlent aux grand public, particuliers. d'accord. Voilà, on leur fait de la publicité, de la promotion pour des solutions de patrimoine, de retraite, d'investissement, etc. Et puis, à l'issue de ça, ils remplissent un petit formulaire. Donc ça, tout D'accord. le monde connaît, tout le monde le fait. Parce que des vendeurs de fichiers, Ouais. il y en a quoi, avec des fichiers plus ou C'est moins vrai, c'est frais. vrai. Et nous avons été un des premiers à le faire en 2008 avec une plateforme ouverte. Mais la différence, c'est ce que nous lançons aujourd'hui en même temps que Visio, c'est le service VisioLead. D'accord. Les conseillers qui nous écoutent le savent, quand j'achète des leads, moi j'essaie d'appeler la personne, elle ne me répondra pas, elle a un bloqueur d'appel, Ouais, le etc. Et ça, c'est téléphone est l'horreur pour eux. obsolète. Exactement. Et bien le service VisioLead, on met les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à D'accord. l'issue du formulaire, on dit à la personne, est-ce que vous souhaiteriez parler immédiatement à un conseiller en visio, si choisi, ou en téléphone? Et quand D'accord. il clique sur OK, le conseiller reçoit un SMS, il clique dedans, là aussi c'est instantané, et il est directement en relation avec son Ah, c'est conseiller. smart. C'est-à-dire que moi, en tant que CGP, je ne cours pas derrière le contact. Je Exactement. passe pas mon temps à dire, bah, tiens, le numéro, il répond plus. Ou tiens. Exactement, vous avez tout compris. En fait, je gère de l'appel entrant. Et je gère de l'appel entrant et plus de l'appel sortant avec la barrière du répondeur, la barrière du raccroché, la barrière de c'est pas le moment. Parce que là, on est Oui. dans l'instantané. Je fais ma demande, je suis mis en relation. D'accord. C'est pas je vous rappelle demain ou Ça et la coûte personne ne se cher. rappelle plus. C'est à peu près le même prix qu'un lead, à peu près. Un lead Donc un peu plus qualifié, cher. un petit peu plus cher, bien D'accord. entendu. Pourquoi? Parce qu'on a un peu plus de casse, forcément, parce D'accord. que on va avoir des raccrochés, etc. Et depuis le début, nous, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez nous, si la personne ne répond pas ou lui dit non, ça ne correspond pas, etc., on rembourse le lead. On est dans la qualité, D'accord, ok. systématiquement. Donc on Donc a de la casse et donc c'est on un fait autre payer plus produit, vous cher. vendez un autre produit. Oui, c'est un nouveau produit puisque ça n'existe pas sur le marché. C'est vraiment, on D'accord. innove comme on l'a fait déjà il y a 14 ans. Christophe, vous dites, nous, on fait beaucoup de communication à Oui. direction du grand public pour essayer justement
de voir ce que veulent les gens, de faire de la mise en contact. Ils veulent quoi, les gens? Parce que on sait qu'avec le Covid, les marchés actions sont un peu incertains, l'obligataire, il y a eu de l'engouement pour les SCPI, mais l'immobilier, on se pose des questions. Les gens, ils sont demandeurs de toutes quoi ces questions-là, toutes ces questions-là. Mais la principale question, on le sait, le Français, ce qu'il aime, c'est sa retraite. Il s'est battu dans la rue pour la maintenir. Il va privilégier aujourd'hui, par exemple, le PER. Depuis 2019, effectivement, la nouvelle réglementation est très avantageuse. Donc on va dire que ça, c'est vraiment leur premier truc. Et puis depuis le début de l'année, on voit beaucoup d'assurance-vie qui reprend, bien entendu. Mais moi, peut-être ce que j'aimerais dire aux conseillers, c'est chez Elixis, on est le précurseur. Vous voyez, les gens s'adressent à nous. Oui, vous voyez venir les tendances. Exactement. Eh bien, depuis octobre, on voit que tout a repris au niveau des demandes d'investissement, notamment au niveau de l'immobilier. D'accord. Et il y a souvent un décalage entre ce que les gens nous demandent chez nous et ce que les conseillers constatent dans leurs ventes. Il y a 6 à 7 mois. Et octobre, ça correspond à peu près à la période de maintenant. D'accord. Alors, je passe sous le fait que l'immobilier est cher et le crédit ça, est compliqué. C'est une autre question. C'est une autre question. Mais en tout cas, il y a une appétence qui est bien revenue. D'accord. Sur placement, c'est beaucoup plus tardif. C'est venu en début d'année. Alors, je ne vais pas dire que je suis Madame Irma de la gestion patrimoniale. Il a tous les talents. Oui, mais voilà. Mais grosso modo, c'est quand même pour dire qu'on est précurseur. Nous, on est là où les gens ont envie. Et donc, s'ils ont envie, ils font appel à un conseiller. Okay. Et derrière, le conseiller peut vendre. Donc, ok. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir. C'est clair. Donc, de l'intérêt pour la retraite, de l'intérêt pour les placements à l'immobilier. Merci, Christophe Motta, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.